Bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, nous allons tutorer les tomates. Alors en fait, je ne vais pas tutorer toutes mes tomates, mais je vais simplement mettre de la ficelle pour que quand elles seront grandes, du coup, elles puissent être bien tutorées par cette fameuse corde. Donc, ça va se passer dans ma serre et suivez-moi, allez, c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Bon, du coup, je vais vous montrer comment je procède pour ficeler en fait mes tomates. Donc là, elles sont un peu dans la moyenne, elles sont un peu petites, mais je vais quand même commencer à en tortiller. Donc déjà, de base, ce que je fais, mais c'est ma méthode à moi, hein. Enfin, je veux dire, tout le monde a ses méthodes, je vous partage ma méthode, c'est un peu le but de cette chaîne. En gros, c'est simple. Je viens, je passe ma ficelle derrière. Je fais une première boucle. Et quand je viens là, je recrée une autre boucle. Et je tire. Bon, pourquoi ? Bah, pourquoi pas. Et en fait, si vous voulez, hop, si, hop, là par exemple, je donne du mou. Donc là, par exemple, ma corde, elle touche par terre. Là, elle est complètement... Bon, ma tomate est pas belle, hein, elle avait besoin d'eau. Mais là, par exemple, ma corde touche largement par terre. Donc, j'ai donné du mou. Et au fur et à mesure que la tomate va grandir et que j'aurai entortillé, je vais venir resserrer tout ça. Comme ça, ça va maintenir plus ma tomate, simplement. Vu qu'avec son poids, elle va faire poids sur la corde. Et moi, je vais venir à chaque fois resserrer. Voilà, c'est tout bête. Et là, elle est resserrée. J'ai trouvé que c'était judicieux. Bon, du coup, pour accrocher à la tomate, bon, là, elles sont petites, hein, comme je vous dis. Donc, en fait, c'est simple. Quand j'arrive au pied de ma tomate, donc là, j'ai pas fait mon nœud, je la passe, tout simplement. Et là, je fais un nœud, un simple nœud, tout bête. Hein. Voilà. Et puis, si des fois, vous voulez assurer le coup, vous en faites un deuxième. Et faut surtout pas lui serrer le kiki, quoi. Hein. J'entortille bien. Vous voyez, le fait de ne pas avoir serré comme un foufou là-haut, c'est que du coup, maintenant, je peux passer correctement autour de ma tomate. Et voilà. Hop, elle est bien entortillée. Du coup, là, c'est ma tomate. Et comme du coup, là, on vient de l'entortiller, bon, bah, là, j'ai plus qu'à venir serrer, simplement. Donc, je fais coulisser. Voilà. Et là, le fil est presque tendu et ma tomate, du coup, elle sera redressée. Du coup, avant d'arriver à cette étape, il faut tout simplement placer les ficelles sur lesquelles on va placer du coup les nœuds. Donc, il faut les placer à hauteur de la ligne de vos tomates. Il vous faut faire autant de lignes que finalement de rangées de tomates que vous avez. Et c'est sur ces ficelles que vous devez impérativement bien tendre que vous viendrez tuteurer vos tomates. Il a fallu du coup découper beaucoup de cordelettes et pour éviter de se tromper, eh bien on avait créé un patron, disons de la hauteur parfaite avec suffisamment de mou pour pouvoir tutorer correctement la tomate sans embûche. Objectif autonomie, c'est terminé. En petit bonus, on a créé des étiquettes en carton qu'on est venu attacher dans les boucles. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, liker. À très vite sur Objectif Autonomie.